Bienvenue à bord pour ce vol Copenhague-Los Angeles opéré par la compagnie Dailyshoes. Je suis Xavier, votre commandant de bord, pour une cinquantaine de minutes. Les conditions météo sont excellentes. Nous pourrions cependant avoir quelques turbulences durant le quiz. Votre chef de cabine, Sébastien, est équipé d'une Universal Genève pour le routeur et il se tient à votre disposition avec son équipe pour vous préciser toutes les facettes de cette superbe montre. Vérifiez les vis-à-vis, armez les toboggans et décollage immédiat pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Sébastien, ça va ? Salut Xavier. Alors, est-ce que tu es allé à Copenhague ou à Los Angeles ? Alors, je suis allé à Copenhague il y a longtemps. T'as trouvé ça bien ? Oui, mais j'étais un peu petit. Donc, un peu petit ? Oui, je me souviens du parc Tivoli et puis voilà. Fantastique, ouais. Les amis, Copenhague, on y mange très très bien. La ville est belle, on y fait du vélo, on peut aller faire de la voile. Et il paraît même qu'on peut aller à Los Angeles en avion en passant par les pôles. Et ça, c'est un des sujets de conversation du jour. Alors, notre chef de cabine, c'est Sébastien. Il a une superbe montre et j'ai l'impression que tu es venu avec. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Tu nous l'as fait voir ? Alors, elle était cachée sous sa manche. Est-ce que je peux l'essayer ? Oui, je vais devoir me... Tu sais que tu as pas le choix. Rituel. Oui, tu n'as pas le choix. Alors moi, je suis venu, les amis, avec une montre vintage que j'ai au poignet depuis quelques jours parce que, vous le savez, je suis allé au festival Goodwood Revival en Angleterre, très vintage, avec des autos anciennes. Donc, j'ai emmené une montre vintage qui me paraît aller très bien avec la tienne. Oui, c'est... Oui. Donc là, on a une Universal Genève Pôle Routeur, c'est écrit en tout petit. Hein. Ah oui. Voilà, franchement, faut que je change de lunettes. Hein. Alors, on a un modèle qu'on pourrait qualifier d'iconique. Mm-hmm. Elle date de quelle année ta montre ? Alors, 56. 56 ? 56, 57. 56, 57, ça dépend si on parle du boîtier ou du calibre. Hein. D'accord. Alors, raconte-nous tout. Comment tu l'as acheté ? Et après, on parlera un petit peu plus de cette montre. Elle est à la fois très connue, j'ai l'impression, pour les amateurs de vintage, et puis finalement, globalement, complètement inconnue de l'acheteur de montres neuves que je ne suis pas et que tu es peut-être, on le saura tout à l'heure. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur cette montre ? En fait, à la base, j'aime bien les objets vintage. Et il y a quelques années, j'ai commencé à acheter des montres, des briquets, des choses un peu comme ça, en salle des ventes, et à regarder un petit peu plusieurs montres. Et l'Universal faisait partie de celles que j'avais déjà regardées et que je trouvais originales, en fait. Ouais. Je la trouvais originale. Je connaissais pas toute l'histoire, mais je la trouvais assez sympa. Et puis l'histoire du calibre micro-rotor, ça m'a bien plu. C'est un truc qui t'a intéressé. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Je l'ai acheté en 2016. Ouais. Ça commence à dater, dis donc. Ouais. Les prix étaient raisonnables à l'époque ? Ouais, plutôt. Plutôt, c'est un peu la. Oui, c'est ce que je me suis dit en regardant les estimations, en regardant un peu les prix de maintenant et ce que j'ai pu la payer à l'époque. Ouais. Ouais. Combien tu l'as payé à l'époque ? Je l'ai payé à peu près 500 euros plus les frais de. Donc 500 plus quoi ? Plus 30% grosso modo, 650 ? Ouais, 600, 620. Ouais. Comme ça. Ouais, sur. Bon, bah, pas sur Katawiki puisque c'est moins cher. Hein. C'est 8%, 8, ouais. 8% les amis, je crois. Hein. Donc c'est une maison de vente classique ? Classique, Drouot. Donc sur place, t'es allé ? Sur place, oui. Ouais. Oui, c'est... Donc t'as levé ton petit bras, c'est moi, je suis chef de cabine. Exactement. Ne m'oubliez pas. Exactement. Ouais. Avec l'ambiance qu'on a dans une salle des ventes qui est incomparable par rapport à tout ce qu'on peut acheter sur Internet, quand on fait Interenchère ou quand on fait Draw Alive. Enfin, c'est différent. Il y a une expérience un peu différente. C'est pas la même chose. Il y avait du monde ? Ouais. Peu. Même si c'était en semaine. Ouais. Il y avait un peu de monde. Pas mal de monde. Ok. Et quand tu l'as acheté, juste pour faire les amis une petite digression, nous faisons un détour. Nous n'allons pas directement via le pôle Nord à Los Angeles. On va s'arrêter à quelques endroits pour échanger avec Sébastien.
Tu étais allé pour celle-là et rien d'autre, ou tu avais une liste et puis en fonction de comment ça se déroule, t'allais choisir? Non, j'avais le catalogue et souvent quand c'est comme ça, je prépare un petit peu des modèles qui pourraient m'intéresser. Ensuite, j'essaye d'aller voir les montres, de les essayer, ou au moins en tout cas de les voir en vrai. En vitrine ouverte? Ouais, exactement. Et ensuite, il y a un côté un petit peu aléatoire qui est, en fonction des lots, on fait des enchères, on s'est mis une limite, et puis s'il y a celle qu'on peut décrocher. Parfois, on peut attendre loin dans une vente, hein, ça peut être parfois les derniers lots. Il se trouve que celle-là, c'est différent parce que c'était le troisième, je crois, ce que j'ai regardé. Ouais. Et en fait, il y a presque la frustration de ne pas avoir continué plus longtemps. Ah oui, puisqu'une fois que tu l'avais acheté, pour toi, tu n'étais plus acheteur. Voilà. Alors en fait, pas tout à fait, parce que lors de cette vente, j'en ai acheté deux. C'est bon ça. Et c'est quoi l'autre? Alors l'autre, ça n'a rien à voir. C'est un chrono de guerre. Auricost, ministère de la guerre, qui j'ai acheté pour l'utiliser plus que ça. Plus mais un chrono à main ou bracelet? Non, c'est un chrono à main. Ouais. Un chrono à main Auricost oral, je crois. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment là, on est encore avant le vintage, les amis. Là, on est dans l'approche historique des choses. L'usage de quelque chose, etc. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que première montre bracelet, on est quoi, 1920 par là, hein, 1915, 1925, en fonction des marques. Avant, on était sur des montres de gousset, parfois installées sur la cuisse ou ici, comme ça, avec un ruban. Ok. Quand tu l'as repéré, celle-là, tu avais déjà un peu de connaissances ou d'éléments d'information sur Universal Genève? Un petit peu, j'avais vu qu'ils se faisaient des chronomètres compacts, ouais. Chronographes compacts, tricompacts, plutôt dans les années 40. Ouais. Et je connaissais effectivement celle-ci qui était la plus emblématique, mais je ne connaissais pas toutes les versions, bien sûr. Bon, après, j'ai regardé, j'ai vu notamment qu'il y avait une version SAS. Les toutes premières d'ailleurs. Dans les premières. Mais je connaissais pas. Bon, je connaissais un peu la marque. J'aimais bien le design, mais je connaissais pas toutes les. Alors, toutes les facettes. Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Si on met de côté les amis, puisque c'est pas le propos des chronographes, où effectivement Universal Genève a été très innovant, c'est à eux quasiment qu'on leur doit l'expression compact, strict compact, compure, en fonction de la position et du nombre de sous-cadrans qu'il y a sur un chronographe. Mais là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus simple, et qui est, on va dire, une sorte de symbole de la réussite de la compagnie SAS. À faire un vol direct Copenhague-Los Angeles en passant par le pôle Nord. Hein, c'est ça l'histoire? Exactement. Avec l'enjeu, les amis, du magnétisme. J'allais dire. Hein, du magnétisme au pôle, où là, une boussole, elle perd la tête. Et le magnétisme dans une montre, hein, on n'avait pas encore les amis, les spirou en silicium, hein, donc il y avait un vrai enjeu pour une compagnie aérienne sur tous les instruments de bord et notamment ce qui peut donner l'heure. Pour autant, j'ai un petit doute sur ce point-là et j'aimerais avoir ton avis. On est sur une montre qui a été lancée comme étant un symbole de la performance du pilote sur la ligne ou comme étant un instrument pour son usage professionnel lorsqu'il pilote. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression qu'on est plus dans une montre d'apparat. Ouais. De vous faites partie du cercle fermé des pilotes qui ont franchi le pôle Nord en avion et à ce titre-là on vous remet une montre. C'est ça le sujet. Hein. Ouais, je pense que c'est plus on est plus dans ce type de montre parce que c'est pas une montre, enfin c'est une montre de pilote parce que la SAS, mais il y a pas d'échelle, c'est pas une Breitling, donc il y a pas le côté tool watch effectivement. C'est plus lié à une performance. Et puis le côté, le côté antimagnétique qui fait lien avec le pôle Nord. Ouais, ok. Cette montre, elle a comme dans sa besace et dans son pédigré le fait qu'elle a été dessinée par Gérald Genta. Mm.
Ça te séduit, c'est, tu trouves ça intéressant, ça fait partie de ton intérêt ou pas? Alors, non, parce qu'en fait, ça m'a séduit a posteriori. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la montre, je n'avais pas forcément fait attention, je ne connaissais pas toute l'histoire d'Universal Genève. Je n'avais pas réalisé que, a priori, c'était la première montre de Ginta. Alors, je connaissais certaines de ces autres montres. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette information, ça m'a conforté dans l'idée que c'était une montre vraiment intéressante parce que y a un design qui est vachement chouette en fait. Moi, je m'interroge en fait sur cette partie-là. Ce qui est drôle, c'est quand on lit des articles sur cette montre, on parle de, elle a été dessinée par le légendaire Gérald Genta, sauf qu'à l'époque, il était légendaire de rien du tout. Justement. Voilà. Donc moi, ce que je trouve intéressant par rapport à cette affaire de design, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a un cadran dans un cadran quand même, qui est un petit peu une des marques de fabrique du style Genta et qui fait que il a sorti des boîtiers. Si on parle avec ou sans léance, hein, mais où sur une Royal Oak on est octogonal avec après l'intérieur d'un cadran qui est rond, sur une Nautilus c'est un petit peu différent, t'as léance sur très caractéristique des Omega Constellations qui sont également intéressantes. Et pour le coup, ce que je n'arrive pas à saisir, c'est que pourquoi cette montre-là, elle est finalement si prisée, tu vois, ce dont je parlais tout à l'heure, si prisée par des collectionneurs avérés, mais qu'en fait, elle n'arrive pas à franchir le petit cercle des amateurs pointus de montres. Alors, tu vois? Moi, j'aurais tendance à penser qu'Universal Genève, c'est une marque qui est connue auprès des amateurs, alors encore plus des amateurs de vintage, mais quand on regarde maintenant, c'est pas une marque qui a démontré beaucoup de dynamisme ces dernières années. Et je pense que les personnes aussi s'intéressent à la puissance d'une marque et pas forcément, pas toujours à un modèle. Alors, c'est peut-être moins vrai pour la Royal Oak, mais en même temps, c'est pas totalement faux parce que la Royal Oak, à mon avis, la Royal Oak, elle éclipse un peu tous les autres modèles chez Audemars. Alors, je suis peut-être un peu. J'en sais rien, j'espère que non. C'est un peu l'idée, les amis. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est que ce dont Universal Genève souffre, c'est qu'en fait, depuis la fin des années 60, hein, début des années 70, ils ont traversé le désert en étant en changement de main à droite à gauche. Ils sont une filiale d'une holding hongkongaise aujourd'hui qui ne fait pas grand-chose. Il y a eu des relancements, donc en fait, c'est une marque qui est morte. En tout cas, qui est en coma, pour moi. Ouais. Mais est-ce à dire, vous savez que j'aime vous chauffer, les amis, là, j'en peux plus, mais est-ce à dire, regarde, que la montre des superlatifs, la marque des superlatifs, à tort ou à raison, très honnêtement, je ne cherche, vous le savez, à convaincre personne de quoi que ce soit. Mais ça voudrait dire, si on suit cette piste-là, en fait, que une Rolex Submariner, par exemple, ou une Rolex Explorer, n'aurait pas toute l'aura qu'elle a aujourd'hui si ça faisait 50 ans qu'ils n'en faisaient plus. Parce qu'en fait, ce serait une marque morte. Bah, c'est bien possible. Hein? C'est bien possible. On pourrait se dire, mais pourquoi ils ne relancent pas à ce moment-là une Paul Router? Parce que franchement, les amis... Je pense que c'est la question que vous pouvez se poser. T'as vu le nombre de trucs, de machins, je fais renaître. Et ça marche bien. Oui, bah c'est vrai. On ne va pas citer de marque, parce qu'on ne va pas les embarrasser non plus. Mais le fameux Neo Vintage, il y a des choses extrêmement bien réussies. D'autres... franchement les amis, il faut vous exciter un peu plus sur le design parce que si c'est pour refourguer toujours les mêmes choses, mais là il y a une opportunité a priori qui est pas mal parce que là tu peux parler de SAS, de ce qu'ils ont fait en termes d'aéronautique, etc. Ok, c'est le modèle avec le micro-rotor ou non? Oui. C'est pas la première génération. C'est pas la première avec le marteau, ouais. Avec le système à marteau. C'est la première génération avec le micro-rotor 215, je crois. De Universal. De Universal, ouais. Modèle précédent, on avait une masse oscillante, mais qui tapait.
Hein, d'où le terme bumper. Qui faisait pas un tour complet. Exactement. Ouais. Okay. Le bumper, exactement, avec les problèmes parfois de fiabilité, hein, des ressorts qui cassent. C'est une chose qui arrive apparemment. Okay. Et celle-là, alors celle-là est intéressante aussi parce que c'est une des modèles qui est... à l'époque, il y a eu un problème de brevet et c'est une des modèles qui a été... C'est un modèle qui a été créé à l'époque où le brevet n'était pas finalement acquis totalement à Universal et c'est marqué sur le micro-rotor. Ah oui, ça c'est un peu la surprise. Ouais. Ouais. Alors pour le coup, je me suis documenté et puis j'en avais parlé de cette affaire. Quand est-ce que c'était lorsque j'avais Maxime de mémoire qui était venu avec sa Tag Heuer Monaco. Mm-hmm. Et effectivement, y a eu deux initiatives dans les micro-rotors, celle d'Universal Genève et en parallèle celle de Buren, mm-hmm. Associée à Hamilton notamment et à ER. Et il y a eu un bisbille, et je crois que ce n'est qu'en 58, hein, 4 ans après, qu'ils ont réussi à avoir le brevet de ce micro-rotor. D'ailleurs, micro-rotor qui, je trouve, est en train de regagner en notoriété ces derniers temps, avec différentes initiatives, notamment celle de Baltic, qui met des micro-rotors. Ouais. Certes d'origine chinoise, les amis, mais à la limite, là, ce n'est pas le sujet. Hein, c'est l'intérêt du micro-rotor. Et pour le coup, l'un de ses intérêts, c'est d'avoir une montre qui est quand même très fine. Qui est fine. Ouais. Absolument, qui est fine. Et donc elle passe sous tes manches de chemise. Sans problème. Voilà, le chef de cabine, il est d'une discrétion. On ne voit pas sous sa manche qu'il a cette belle montre. De mémoire, on avait fait un duel time et là, mon cher invité, je suis désolé, je ne me souviens plus de ton prénom. Grave erreur, mais on a fait un duel time avec une pôle routeur de luxe en or jaune. Justement, le sous-cadran, alors peut-être que je perds la boule noire, tu vois. Ouais. Là, toi, t'as quelque chose qui est cuivré, ouais. Doré. C'est en quelle matière, ça? Tu sais ou pas? Non. Je pense que c'est le métal, mais après, elle a... Mais elle a toujours été biton, quand même. Oui, mais en fait, elle est bien soleillée, en fait, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'elle est bien passée, elle a une patine... D'ailleurs, on voit, en fait, il y a encore un petit bout, on voit, je pense, la couleur d'origine. Parce que le cadran, il est vraiment très, très doré. Ouais. Mais c'est l'effet du temps. La fameuse patine du vintage, oui. Les amis. Attention, hein. Le chocolat poêtre crie, cuivré un petit peu avec du nickel et tout ça. Oh, je vous taquine, les amis. Tu as vu qu'il y a quand même des éléments de similitude entre ma Speed et ta Universal Genève, quoi donc, Léance. Léance. Et ouais. Il y a une petite histoire là, tu. Ouais, c'est les fameuses Anse Lyre. Oui. C'est ça, hein, twisté. Effectivement, je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose d'innovant de travailler sur ces séances, hein, puisque l'histoire des Anse, c'est finalement au départ comment j'arrive à accrocher sur le bras, sur la cuisse, une montre de gousset. Hein. Donc j'y vais avec des Anse soudées, puis après des Anse droites. Mais là, tu as une courbure qui est vraiment extrêmement sympa. Hein. Absolument, et c'est vrai qu'elle est très, très harmonieuse. J'avais lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'avais lu une petite histoire. On va demander histoire. Aux amis qui nous diront si c'est vrai ou ils pas. Ils nous diront dans les commentaires. Ouais. J'avais lu une histoire à l'époque qui disait justement par rapport à Omega que, et quand on regarde les premières Omega, elles étaient droites. Et a priori, le façonnier qui faisait les boîtiers aussi à une époque pour Universal Genève. Ouais. Et il se dit, mais est-ce que c'est vrai qu'en fait, ils auraient un peu pompé le design à l'époque chez Omega, en s'étant inspiré peut-être le façonnier leur a expliqué que c'était pas mal, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est ça l'histoire. Peut-être, les gars... C'est une histoire que j'avais lue comme ça il y a quelques années. Vous nous le direz. Ce que ça dit, ça, simplement, ça dit que une montre à cette époque, c'est un fabricant de boîtiers... Un fabricant de cadran, un fabricant de couronne, un fabricant d'aiguilles, une ébauche de calibre. Et puis, si vous vous appelez Omega, l'organe réglant, c'est vous qui le faites. Et dans ce cas-là, on dit que vous êtes une manufacture. Donc, de fait, le fabricant du boîtier,
fonction des contrats, etc., eh bien, il peut être proposé à d'autres. Ce qui explique que dans les années 60-70, il y a plein de montres où vous vous dites « Non, mais c'est la même que celle-là, ils l'ont pompée. » Ben non, ils ne l'ont pas pompée, ils avaient juste le même fournisseur. Ils avaient le même fournisseur. Voilà, ça, c'est l'histoire de l'industrie horlogère suisse. Les amis, si vous n'intégrez pas jusque dans les années 2000, Rolex sous-traitait tout à des fournisseurs, mais ils étaient déjà devenus leurs clients exclusifs, mais Bonincci pour les aiguilles ou les couronnes, je ne me souviens plus, Spielmann pour les boîtiers, Stern pour les cadrans, etc., c'était des tiers extérieurs. Et la marque, elle assemblait tout ça, et puis elle faisait son marketing et son process de vente. Donc, je ne sais pas si ce que tu dis est juste, mais en tout cas, là où je ne suis pas d'accord, c'est le terme copié. Voilà. Pour moi, c'est un peu un non-sens de dire que sinon, à ce moment-là... Inspiration, on va dire. Voilà. Ou alors, les amis, si vous êtes chaud, t'es chaud. Ouais, si vous êtes chaud, okay. Rendez-vous au premier épisode de la saison 4 de Petite Montre entre Amis avec Pierre, où là, on a une Zenith El Primero Chronomaster Sport. Là, je m'attaque clairement aux gens qui ont des problèmes de vue parce que les mêmes qui ont vu le Yeti dans les alpages suisses, ils y ont vu une Rolex Daytona. Je vous chauffe les amis, mais franchement, je le crois, si vous voyez une Rolex Daytona là-dedans, waouh, bah à ce moment-là, vous savez quoi? Ici, on a une Rolex Explorer. Et ouais, c'est pas beau ça? T'es d'accord qu'elle ressemble à une Rolex Explorer? Elle est ronde? Ouais, elle est ronde. Et ben voilà, tout dépend. Ah, c'est en pas fait, beau. Tout dépend de ce qu'on prend et effectivement. Je pense que l'histoire horlogère est remplie de constructeurs, de manufactures qui ont à un moment donné pris un élément sur un autre. Quand on dit copier, évidemment, c'est copier juste, uniquement un élément. Il n'y a rien à voir effectivement entre une Speedmaster et en termes de design, si ce n'est effectivement ces fameuses ans. J'ai une superbe question pour toi dans le quiz, justement sur ces subtilités horlogères. Tu l'as acheté à l'époque, donc il y a 6 ans. 500 balles plus les frais, 650. Combien ça vaut aujourd'hui? J'ai regardé un petit peu, j'ai l'impression que ça dépasse les 1000, 1003, 1004. Pas plus. Alors, on dit plus. On met de côté les histoires de ça a été poli, jamais poli. Hein, parce que là, on n'en sort plus. Oui, non, c'est un peu ce que je regarde. Après, je ne regarde pas toutes les transactions. Hein. Je suis pas un professionnel de l'horlogerie. C'est vrai que j'ai eu une réflexion d'un vendeur de montres il y a pas longtemps, je ne donnerai pas la marque, mais qui effectivement je l'avais au poignet quand je suis allé dans la boutique, il m'a dit hey, mais j'en cherche une, vous savez que ça peut valoir 2000 euros. Bon, ça me paraissait un peu élevé. Après, je pense que ça dépend des modèles. Je pense qu'on peut trouver tout. Est-ce que ça vaut plus? Est-ce que ce modèle vaut plus cher que le modèle avec le marteau? Est-ce que la pole router date est plus prisée? Là, je suis pas assez pointu pour. Est-ce que tu as vu comme ma peau bronzée va bien avec le cadran, les amis? Je me demande si je n'ai pas la peau cuivrée, soleillée même. Avec des reflets et une patine absolument fantastique, c'est ça, les amis. De l'âge. En même temps, la speed me va très bien aussi. J'aime bien les porter un peu large. Ah ouais, mais là c'est trop large pour toi. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas on jouer. Peut la régler, hein, on peut la régler. Si tu avais un petit adjectif à me donner, ce serait lequel? Bah justement, j'y ai pensé et j'avais effectivement, le terme ensoleillé. C'est vraiment tourné autour de ce terme. Il y a quelque chose de solaire effectivement dans ce cadran et qui m'a attiré à l'époque. C'est plein de poésie, les amis, petite montre entre amis, même dans un avion comme ça, tranquillement installé avec la compagnie aérienne d'Alichus. Vous le savez, les amis, prochainement, par rapport à la date d'enregistrement de cet épisode, peut-être que ce sera effectif lorsque vous le verrez. Le lancement de la plateforme d'Alichus, la première plateforme d'avis client sur les montres, comme un TripAdvisor, mais pour les montres. Alors, si votre truc, c'est pas le voyage, mais c'est plutôt le vin, comme un Vivino pour les montres. C'est-à-dire qu'un amateur partage son avis sur sa montre et permet aux autres de la découvrir et peut-être de se dire, mais en fait, c'est pas mal du tout. Et ça m'intéresse d'en savoir plus et peut-être d'en acheter une. Plus de 1000 marques vont être référencés sur la plateforme, ou vous, les amis, si vous avez un modèle de l'une de ces marques, plus de 1000,
vous pourrez partager votre avis. On retrouvera ton avis avec des belles photos. Certainement. Ensoleillées, des belles photos sur la plateforme. Et si vous aussi, vous avez une Universal Genève Pôle Routeur, quelle qu'elle soit, parce que ça a été pas mal décliné sur les à peu près les 15 ans de vie du modèle, bah écoutez, n'hésitez pas. Comment faire? Rendez-vous sur www.dailyshoes.watch. Soit la plateforme est là et vous pouvez vous créer un compte et déposer un avis, soit elle n'est pas encore lancée et là vous pouvez saisir votre adresse mail pour recevoir une invitation et être informé lorsqu'elle sera lancée. Donc tu dis ensoleillé, ok? Si tu avais un petit détail, vraiment un truc où à chaque fois que tu le mets, tu te dis vraiment cette montre elle est fantastique parce que... Alors, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est le bruit. Quand on la remonte, là, ça ne fait pas le même bruit qu'une masse normale. Ah oui. Il y a une espèce de petit cri-cri. Oui, c'est beaucoup plus sec. Bah, ça fait le tour très vite. Hein. Et c'est ce qui m'a interpellé tout de suite. Quand j'ai commencé à écouter, tiens, donc c'est pas un détail visuel, c'est un détail sonore. Qui fait la différence. Donc ça veut dire que toi, avec l'habitude, tu l'as pas au poignet, tu regardes pas, tu sais que c'est celle-là parce que tu entends le petit bruit. Un petit peu comme le Valjoux, hein, les amis, qui fait un barouf pas possible quand il se remonte le fameux 77-50. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Malheureusement, t'as le poignet, il a le poignet trop petit pour mettre ma speed. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Maintenant, je te félicite. T'es venu avec un bracelet avec boucle ardillon qui fait que moi, elle me va forcément. Ouais, c'était un peu le risque. Si vous ne voulez pas repartir sans montre, venez avec des bracelets en acier. Quel âge as-tu, Sébastien? J'ai 49 ans. Restez avec nous. Juste avant l'atterrissage à Los Angeles, on va avoir la séquence ta prochaine montre parce que là, il est en train d'économiser comme un malade. Je sais pas, je vous promets que je ne sais pas de quoi il va parler. On verra. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais quand même, 50 ans, ça se fête. Hein. Ok. Comment tu as démarré dans l'horlogerie? J'ai toujours regardé un petit peu les montres depuis que je suis jeune. Hein, depuis que tu es pitchou? Voilà. Mais j'ai commencé vraiment à m'y intéresser il y a une grosse dizaine d'années. Ouais. Allez, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'échange que j'ai pu avoir avec des amis à l'époque. Et puis Internet. Internet, ça peut voir beaucoup de choses. Moi, je regardais les montres en boutique, dans les aéroports, dans des choses comme ça. Et je me souviens les moments où j'ai vraiment commencé à regarder, parce que c'est lié à un site internet qui est connu maintenant, qui s'appelle Watch Observer. Donc je te parle de ça, ouais, il y a une grosse dizaine d'années. Je crois que la personne qui faisait le site était un copain d'une connaissance que j'avais, qui m'a dit ouais, regarde ce site, c'est sympa, le gars il présente des modèles, c'est des bons tests. Et donc du coup j'ai commencé à regarder un peu les montres. En plus je travaillais à l'époque pas très loin des Champs-Élysées, et donc on faisait un peu le pèlerinage régulier. Attends, j'ai l'impression que quand tu dis internet, c'est que ça, et The Watch Observer en l'occurrence, un site qui existe toujours, bien sûr. Ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup plus que l'offre presque toujours la même que tu vois en boutique. Qu'on voit en boutique, exactement. Ouais. Exactement. Bah ouais. Parce que, effectivement, dans le 8e, on voit des belles marques, on voit des belles boutiques, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que quand on commence à creuser un peu, à être curieux, Internet vous permet d'accéder à des montres auxquelles vous n'auriez pas pensé. Sûr, et même encore sûr. Maintenant. Ouais. Et alors, j'ai envie de dire encore plus maintenant, parce qu'il y a, je trouve qu'il y a de plus en plus de marques. Il y a, avec en plus tout ce qui est Kickstarter, bah, on a des marques qui se créent. Mmh. Baltic, on en parlait tout à l'heure, c'est un bon exemple. Mmh. Mais alors, il y a 10 ans, l'Internet n'était pas assez balbutiement, mais ce n'était pas complètement ce qu'il y avait aujourd'hui. Kickstarter n'existait pas. Mmh. Faut mettre les choses dans leur contexte. Donc, c'est quoi le modèle, la marque qui t'a fait plonger? Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure.
Oh la vache, ils vont faire un teasing, les mecs. Ça, c'est un chef de cabine, le sourire, la subtilité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans cette séquence souvenir-souvenir? Dans cette séquence souvenir-souvenir, on peut parler, je vais vous parler peut-être de trois montres. Ouais. La première. La première, c'est ma première montre, enfin ma première vraie montre. D'ailleurs, je t'ai fait une surprise. Ah, enfin, ça n'aura pas tardé. Hein. Dès le début de la saison 4, il y a Pooch, une marmotte, en feutrine. Et qu'est-ce que tu nous sors? Alors, une petite montre. Ah oui, non, mais là, elle est... Ah, elle est petite, mais oui, en même temps, j'étais pas bien vieux non plus. Alors, c'est une Seiko. Ouais. C'est pas grave, hein. Ah non, mais justement, c'est plutôt valorisant. Et en plus, c'est une Seiko et elle a une trentaine d'années. Attends, mais c'est un 24 mm, ça. Ouais, c'était vraiment Seiko Daydate à quartz. Une Sport 100. Seiko Sport 100, ouais. Étanche à 100 mètres. Exactement. Waouh, mais t'avais quel âge? Moi, j'avais 9-10 ans. Ah ouais, parce que là, c'est tout pitchou. Hein. Ah bah oui. Si je l'essaye, je vais l'essayer juste sur mon doigt. Ah, elle me va bien, regarde. Elle va très bien à mon épouse. Ah, ben voilà, donc elle est toujours utilisée. Exactement. Alors, et elle est à l'heure, hein, en plus. Hein. Ouais, et la petite histoire, c'est que c'est là où ça me conforte dans l'idée que Seiko est vraiment une très bonne marque. C'est une montre, pour la petite histoire, j'avais arrêté de la mettre parce que, déjà, à un moment donné, le poignet, il ne tient plus. Ouais. Elle était un peu petite. Et donc, elle est restée des années dans mes affaires. Et quand j'ai voulu remettre une pile, à l'époque, bon, j'allais un peu dans les magasins d'horlogerie qu'on trouvait dans les centres commerciaux. Hein. Ouais. J'ai trouvé personne qui arrivait à me changer la pile parce qu'il faut l'outil avec les griffes. Et le joint était bien, bien serré et personne n'a réussi à la desserrer. Une fois, j'ai réussi, il y a quelques années, j'ai fini par acheter l'outil qui va bien et je l'ai desserré. Et là où je me suis dit, c'est vraiment une super marque, c'est j'ai remis une pile, après 25 ans d'inactivité. Donc la première Seiko, tu nous diras tout à l'heure dans le flow de la discussion, est-ce que ça signifie que tu es un peu marqué par la marque Seiko. La deuxième, ouais. C'est quoi? Alors la deuxième, c'est une montre très symbolique. Que j'ai eu, pas pour mes 18 ans, en fait c'est une Cartier Santos. Ouais. Et tu l'as amené? Modèle des années 80. Non, je ne l'ai pas amené. Il ne l'a pas amené, la Cartier Santos, c'est pas possible. On salue Romain qui était passé sur la chaîne dans Petite Montre Entre Amis. Saison, je crois que c'est la saison 1. Montre très agréable, superbe bracelet. Bon, là, tu as un modèle plus ancien que tu mets encore? Oui, alors je la mets un peu moins maintenant, mais elle a surtout une histoire, c'est qu'en fait, c'était la montre de mon père. Donc, on touche à la filiation personnelle. Donc en fait, s'il n'y en a qu'une qui reste, c'est celle-là. Ok, la troisième? Et la troisième? Et là, la troisième, tu l'as amenée? Eh non. Ah, ok. Donc c'était que la Seiko microscopique. Hein, voilà, faut pas donner trop. Et la troisième, ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur quelle est la montre en fait quand tu as commencé il y a 10 ans. La troisième, c'est une Zin. Ok. C'est une Zin qui est connue, puisqu'il y en a qui sont passés sur la chaîne, si je me souviens. C'est une U1. Oui. C'est la Zin U1 qui est donc. Quel diamètre 44, je crois. Belle bête. Ouais, ouais. C'est la plus grosse montre que j'ai. Ouais. Originale. Donc c'est une plongeuse. Une vraie plongeuse. Ouais, donc c'est à côté, et c'est ça qui est séduisant, du canal historique Zin, avec Helmut Zin qui était pilote, puis instructeur, etc. Donc là, t'as la plongeuse radicale. Oui, et c'était un peu voulu parce que à l'époque, j'avais encore la Santos que je mettais. Mmh. Et ah, c'est le jour et la nuit. Qui est quand même une montre plutôt habillée. Ouais. Et je voulais une montre plus tool watch, justement, que je pouvais emmener en vacances, que j'avais pas peur en fait. Tu l'as toujours? Oui, bien sûr. Je la mets, en fait, c'est ma montre de vacances, en fait. Enfin, c'est bon, ça. On retrouvera ton avis sur la Zin U1 sur la plateforme d'Alichous? Les amis, www.dalichous.watch. Vous pouvez déposer votre avis sur votre montre. Par contre, il faut que ce soit la vôtre.
Donc, il faut que vous puissiez mettre une photo réglée à une heure précise, tirée aléatoirement au moment où vous déposez votre avis, parce que ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, vous, les abonnés de la chaîne, ce qui t'intéresse, toi, c'est d'avoir une information authentique de quelqu'un qui dit ce qu'il pense d'une montre qu'il a. Il a économisé pour l'acheter, on lui a offert, il la porte depuis un an, depuis 10 ans, etc. C'est de l'information émotionnelle. www.dalichouz.watch. J'ai pris la parole pour le laisser souffler. Je commençais à sentir un petit peu le stress puisque nous allons attaquer les turbulences avec le célèbre quiz. Alors, mon cher Sébastien, chef de cabine sur ce vol Copenhague-Los Angeles, est-ce que tu es prêt ? Hein, puisque au moment de servir le repas, là ça peut être chaud dans l'avion, là c'est le quiz. Des trous d'air. Alors, est-ce que tu es prêt ? La casquette est à gagner, elle est là. La Paul Router portait un autre nom lors de son lancement en 1954, figurez-vous. Eh oui. Réponse A, la Paul Explorer. Réponse B, la Paul Arctic. Réponse C, la Paula Router. Alors, je pense que c'est la réponse C, la Paula Router. Paula Router, ouais. C'est pas la Paul Explorer. Non, je pense que ça c'est... Ça c'est pour les copains, ça. Ça c'est un jeu de mots. La deuxième, tu m'as dit ? Paul Arctic. Ouais, ça aurait pu être... Donc réponse C, Paula Router ? Ouais, Paula Router. Bonne réponse. J'ai fait le choix exceptionnellement de démarrer avec la question cadeau. Pour un amateur de Paul Router, figure-toi, peut-être que tu as l'info, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui explique ce changement de nom ? J'ai l'impression que c'est concomitant avec l'arrêt du modèle avec remontage automatique à bumper, c'est-à-dire un peu l'ancêtre du remontage automatique, entre guillemets, pour une montre bracelet, et le passage au micro-rotor. Mais j'ai pas trouvé d'infos. Tu as quelque chose là-dessus ? Non, moi non plus. On a peut-être eu les mêmes sources, mais j'ai pas vu d'infos. Mais on va demander aux copains. On demandera en commentaire. On demandera à tous les passagers de ce vol si vous pouvez remplir la fiche pour les douanes, puisque pour avoir le droit de sortir, il faut nous donner de l'info sur ce changement de nom. Tu mènes 1-0, ce qui est pas mal. Et donc, on continue avec une deuxième question. Alors là, c'est sympa. Là, on commence à s'amuser. De 1954 jusqu'à la fin des années 60, 1969, peut-être 70, Universal Genève a décliné le modèle Paul Router en bien des modèles différents. Cherchez l'erreur. Donc là, je vais te citer trois modèles de Paul Router, autres que la tienne. L'un de ces modèles n'existe pas. Ouais. Et là, on attaque les turbulences. Attention au trou d'air. Réponse A. La Paul Router 3. Réponse B, la Paul Router Antarctique. Pôle Sud. Réponse C, la Paul Router Sub. Alors, je crois que la Sub, elle existe. L'Antarctique... moi, j'aurais dit l'Antarctique. Pour moi, l'Antarctique... Tu crois pas Le vol Copenhague-Los Angeles par le Pôle Sud ? Non. C'est chaud, hein? Non, c'est un peu long. C'est un peu long? Ouais. Donc ta réponse, c'est la B? Ouais, je pense que la Paul Router 3, elle existe et la Sub, elle existe. Elle existe? Bonne réponse. On est tombé sur un calibre. Les amis, ce n'est pas pour rien qu'il est sur un vol long courrier. Chef de cabine dans un vol long courrier sur la compagnie d'Alichous. C'est pas offert à tout le monde. Hein, il y a toujours de la maturité, de la seniorité. On aurait pu citer la Paul Router Deluxe, Paul Router Super, Paul Router Genève, Paul Router Compact. Paul Router NS, Paul Router Daydate. Waouh ! La Paul Router Deluxe, c'était Simon qui était venu dans oui. Dual Time. Tout d'un coup, son prénom m'est revenu. Alors, la Paul Router 3, c'est un modèle où il y a eu plein de boîtiers de formes différentes. Mmh. Et là, pour le coup, il y en a, vous avez le boîtier, vous vous dites, ça ressemble à une Tissot 6 Star Heritage ou à une Speedmaster MK2. Boîtier un peu, pas de soucoupe volante, mais un peu Star Wars, entre guillemets. Il y a des boîtiers coussins avec des endroits pas super réussis. Donc vraiment, là, c'était vraiment, je pioche à droite, à gauche, ce que fournissent les fabricants de boîtiers. Et puis la Paul Router Sub, là, c'est différent. C'est une montre qui est très recherchée, mais ce n'est, entre guillemets, un boîtier EPSA. Qu'on appelle super compresseur avec les deux couronnes
à 14h et à 16h, à l'instar d'une Hypnotic Key, d'une Longines Diver, etc. Mais là, c'était une universale. Et on retrouve une nouvelle fois le fait que où était l'originalité dans ce modèle ? Ah ben là, c'était, tiens, je veux faire une plongeuse. Qui sait faire des boîtiers étanches ? Les établissements Piqueret SA, la contraction EPSA, EPSA. Les amis, on s'amuse. J'espère qu'on apprend des trucs en plus avec le programme télé durant ce vol. Sébastien, tu mènes 2-0. Voilà. Attends, captain speaking, yes. Yes. He needs to win 3 love. OK. Le capitaine, il est anglais en plus. Hein. Là, vient de m'informer que pour gagner la casquette, il fallait gagner 3-0. Hein. 3 love, les amis. C'est 3-0. C'est comme ça, on n'y peut rien. T'es prêt ? Je suis chaud comme une baraque, les mecs. C'est incroyable. Universal Genève, c'est la plus belle des questions. Et la plus dure. Aïe. Universal Genève et Zénith partagent des histoires communes. Chercher l'erreur. Ça marche aussi avec chercher l'intrus. Hein. Ça revient au même. Je te donne trois affirmations. L'une est erronée. D'accord ? Les deux marques ont appartenu à Bulova. Réponse A. Les deux marques ont intégré des calibres chronographes de chez Martel. Réponse C. Les deux marques sont originaires du Locle. Le village Le Locle. Aha. Et là, c'est beau, hein ? Là, c'est beau, les amis. Hein, on va voir si, en termes de géographie, il est aussi bon entre Copenhague et Los Angeles qu'entre Copenhague et alors, les villages et les vallons suisses. Alors c'est vrai qu'Universal, ils ont été au Locle au début. C'est ce que j'avais lu. Après. Je sais qu'il a du métier, les mecs. Il a quasiment mon âge, là. Il essaie de me gratter de l'info. Tu n'auras rien. Je suis le capitaine, tu es le chef de cabine. Et pour Omega. Non, pas Omega, il n'y a pas d'Omega pardon. Là. Alors attends, j'ai pas. Les deux marques ont appartenu à Bulova, réponse pas Omega, Zénith. Ouais. Zénith. Réponse si. A. Les deux ont appartenu à Bulova, les deux ont intégré des calibres chronographes Martel, les alors, deux marques sont originaires du Locle. J'avoue, les calibres Martel, je ne sais pas ce que c'est. Bulova, j'ai l'impression que ça peut être le cas parce qu'il me semble qu'il y avait des Universal Genève ultrasoniques ou je sais plus, enfin ultrason et aussi peut-être Zénith. Je suis pas sûr. J'aurais dit la B, mais là pour le coup, sans réel. Chercher l'intrus. Donc pour toi, les deux marques n'ont pas intégré de calibre Martel. Il est pris dans la turbulence et voilà, il a renversé le café sur un passager. C'est un scandale. Tu ne gagnes que 2-1 à ce quiz. Alors là-dessus, quelles sont les bonnes réponses ? Non. C'était la A. Les deux marques n'ont pas appartenu à Bulova. Ah oui, c'était appartenu, oui. Zénith a appartenu à Movado. Oui, tout à fait. Mais ça, oui. Pas à Bulova. Oui. Pour le développement du El Primero. On va voir après. Par contre, Universal Genève a appartenu à Bulova, ce qui explique lors des quelques relancements de la marque, effectivement, il y avait pas mal de modèles, non pas ultrasoniques, parce que ça, c'est d'autres technologies, c'est à base du brevet Accutron, mais il y avait des Universal Genève avec des calibres Accutron. Les deux marques sont bien originaires du Locle, Zénith et du Locle, Universal Watch. Oui. Company et du Locle, et très vite après leur création en 1894, ils sont partis à Genève. À Genève, oui. Et ils ont rajouté Genève à Universal. Et les deux marques ont intégré les calibres chronographes Martel. Alors Martel, c'est une légende un petit peu comme Vénus, si vous préférez, qui est à la base de bien des calibres qui petit à petit ont été intégrés chez Valjoux puis chez ETA. Les chronographes Compure, Compax. C'est du Martel. Très compact, c'est du Martel. Et Zénith a racheté Martel pour ses propres chronographes. Et c'est sur les bases du savoir-faire acquis chez Martel qu'a été construit le calibre Zénith El Primero. Et ça, c'est comme tout à l'heure, une illustration des ponts et du système très particulier de proto-industrie en Suisse où plein de petits fabricants
ont une approche industrielle locale sur des tout petites choses, et puis petit à petit, tout ça est compilé par le comptoir d'établissage où je récupère tout et j'en fais un produit fini. Voilà. Et donc, de fait, tout le monde travaille avec tout le monde. D'accord. Voilà. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, si on veut des aiguilles, Universo, c'est un fabricant suisse d'aiguilles. Et à un moment ou un autre, il y a des aiguilles type. Moi, je veux des aiguilles glaives. Si tu as des aiguilles glaives et une autre marque a des aiguilles glaives, tu lui as pompé ses aiguilles. Non, j'ai commandé des aiguilles glaives. D'accord. Tu vois la mécanique? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? I need to talk to the captain. Yes. OK. What should we do? OK. D'accord. Alors là, on m'annonce un truc assez classique, finalement. C'est que le pilote était remercié à son arrivée à Los Angeles avec une Universal Genève Paul Router avec le logo SAS dessus, mais il n'y avait rien pour le chef de cabine. Eh bien, je remédie sur la compagnie aérienne d'Ali Schuss. Le chef de cabine, lui, il repart avec une belle casquette d'Ali Schuss d'un bleu absolument magnifique. Tonnerre d'applaudissements pour la précision, la gentillesse et toute l'émotion que tu nous as envoyé avec ta montre. Eh bien, je te remercie, c'est un plaisir partagé. Eh oui, et vous le savez peut-être pas, les amis, mais là, on est sur une 3 aiguilles simple, donc une montre, on va dire, habillée. C'est moins facile à exprimer que la baroudeuse, la plongeuse, le chronographe, etc. On enchaîne pour la séquence suivante. Laquelle ? La séquence surprise. Alors, la séquence surprise, les amis, vous la connaissez. Je vais présenter un modèle de montre à Sébastien. Il nous a expliqué pourquoi il aimait son Universal Genève Paul Router, une montre habillée, trois aiguilles. Et là, je lui présente un modèle de marque française. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Je lui présente juste une photo et je lui demande de réagir. Tiens. Nous avons une montre de la marque Atelier Jalapair, fondée par un franco-belgien français. Le modèle AJ001-S qui a comme caractéristique une approche très originale avec un cadran brossé issu du capot d'une Aston Martin DB5. Il s'avère que on a un peu discuté avec Sébastien et je sais que tu es amateur aussi d'auto ancienne. Et là, je me suis dit, c'est tout trouvé. Une 3 aiguilles date récente d'une jeune marque avec un lien avec les autos anciennes. Je me suis dit, c'est le bon truc pour te faire réagir. Calibre Miyota japonais, fiable. Classique, ouais. Voilà. Fréquence faible, hein, donc on a un déplacement qui est assez, assez lent. C'est intéressant. 42 heures de réserve de marche vers saphir. Avant et arrière, 40,5 mm, donc c'est 6 mm de plus que la tienne. Étanche à 300 mètres. Hein, une DB5, les amis, c'est pas comme une Lotus Esprit avec James Bond, ça va pas sous l'eau. Prix 2022, 800 euros. On n'est pas très éloigné de ta Universal Genève Paul Router. Première réaction, Sébastien. Alors, la montre est intéressante. Le cadran Aston Martin, effectivement, il est assez. Il a un bel effet. Il a un bel effet. Ce que j'aime un peu moins, c'est la découpe. Oui. Je suis pas. Elle t'inspire quoi, cette découpe? Ça me rappelle de la découpe de la tôlerie. Hein. Enfin, ouais. Mais tu vois ce petit grillage au fond là. Ouais, ça me rappelle un peu des ouïes pour aérer un moteur. Ouais, mais là on est dans la forme de la calandre avant. Hein, d'une DB5 ou d'une DB4 hein, d'ailleurs ça me parle les amis pour le coup parce que ce week-end j'étais au festival de Goodwood et donc des Aston Martin ont roulé effectivement ça se rapproche qu'est-ce qui t'a ta première impression quand tu l'as vu, tu t'es dit quoi? Je me suis dit on est vraiment dans l'automobile parce que on a la typographie des index. Des index, on a le 10, 20, 40, on a l'impression que c'est un contour. Oui. Ça m'a rappelé un peu les montres, alors c'est pas du tout la même chose, mais les réservoirs. Mmh. Ce côté un peu. Oui, réservoir. Un peu. Effectivement, un peu à heure sautante. J'aime bien aussi. Alors j'aime bien pour minute le coup. Minute sautante, pardon. J'aime bien le. Je sais pas comment on peut dire, l'espèce d'excroissance. À 9h. À 9h qui renvoie.
à la couronne de 3 heures. Le bracelet, il a l'air racing, donc perforé. Ouais. Non, c'est une jolie montre. Il y a juste la découpe, je suis pas fou. Mais non, c'est une belle montre. C'est pas fou parce que tu vois pas le lien avec la calandre. Alors, il s'avère que bon, bah, pour le coup, moi je le vois, mais effectivement, c'est explicité sur le site de la marque. Non, c'est la géométrie. En fait, ça me rappelle certaines montres chez Yema. Je sais pas si c'est les Rallygraph ou il y a une découpe un peu comme ça aussi. Et je suis pas fan non plus. Alors une découpe comme ça, il y a une sorte de découpe, mais qui a pas du tout cette forme. En tout cas, ça t'y a fait penser. Oui, ça m'y a fait penser. C'est pas la même. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'aime bien un cadran un peu uni. D'accord. Ok. Tu connaissais Atelier Jalapert ? J'avais entendu parler, oui. Oui, j'avais. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative d'aller chercher un capot d'une Aston Martin DB5 doit valoir une tonne, les amis. Je me pose la question, d'ailleurs, comment on récupère ça? C'est intéressant. Je crois, j'ai pas de relation avec eux, hein, que les choses soient claires, les amis, tu peux vraiment dire ce que tu veux. Je crois qu'ils sont en train de travailler sur un autre projet du même type, hein, avec des éléments de carrosserie d'une autre auto, on va dire, légendaire, puisque l'Aston Martin DB5, c'est quand même la plus célèbre des voitures de James Bond en version Sean Connery. 800 euros, c'est plutôt pas mal placé. Ouais, au niveau du tarif là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise, bah, parce que calibre Miyota, donc forcément c'est plus facile à compresser au niveau des prix. Non, la démarche est intéressante parce que ça raconte une histoire. Mais c'est souvent maintenant on va au-delà simplement de la montre, on raconte une histoire. Là c'est le capot. Bah, on parlait de la Zine tout à l'heure. La Zine, alors, ce qui moi m'avait séduit, c'était le côté, c'est une montre allemande, c'était le côté acier de sous-marin. Oui, tout à fait. Et bon, voilà, ça fait partie du storytelling. Hein. Ouais, j'ai le sentiment quand même que t'es pas emballé dans le sens où c'est deux ouvertures. Voilà, qui sont là pour inspirer la logique de la calandre. Ouais. Ça, alors que c'est très symétrique, j'ai l'impression que tu as le sentiment que ça déséquilibre la montre. Non, c'est qu'à un moment donné, parfois le design, l'appréciation d'un design, ça s'explique pas. Ouais. Il y a juste l'émotion. Ouais. Et oui, voilà. Mais regarde, tout l'intérêt, les amis, et je le dis à chaque fois, mais là je le dis un petit peu différemment. Là, c'est comme si, tu vois, toutes les marques. Essaye d'avoir de la visibilité dans les médias. Et donc, parfois, bah, c'est une photo, c'est une page de pub, c'est un panneau publicitaire, etc., où tu n'as qu'une seule photo, tu vois. Peut-être que si tu l'essayais, cette montre, tu auras un avis qui est différent. C'est bien possible. Ouais. Il y a les photos et puis essayer les montres. De toute façon, ouais. Je pense qu'il faut essayer les montres. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Autant que possible. On ne peut pas toujours, mais il faut essayer les montres. C'est quand même. Toi qui as une Seiko, qui a démarré un peu avec une Seiko qu'on a vue tout à l'heure, tout petit format en 20 ou 24 mm, là, ça te dit quoi dans une montre comme ça, qui est un calibre japonais, hein, Miyota, les amis, ça appartient à Citizen. Oui. Là, ils ont fabriqué un paquet, je veux dire, c'est d'une fiabilité, d'une robustesse à toute épreuve. Alors évidemment, c'est moins pur, c'est moins historique, c'est moins... c'est pas du tout fait à la main comme d'autres calibres peuvent l'être en partie ou en totalité. Toi, c'est quelque chose qui t'attire dans une jeune marque, le fait de te dire, bah, de toute façon, c'est réparable à l'infini si nécessaire et c'est fabriqué à tellement grande quantité que c'est super fiable. Ça t'attire un calibre japonais ou au contraire, tu te dis, non, mais j'aurais préféré un Suisse? Non, en fait, c'est pas que ça m'attire ou pas. C'est en fait, j'ai pas de problème avec le fait que ça soit un calibre japonais. Okay. Je suis pas dans le Suisse absolu. Je pense que les Japonais d'abord font des très très bons calibres. Mmh. On le voit bien d'ailleurs avec Seiko, alors avec Grand Seiko encore plus. Miyota, c'est un très bon manufacturier. Tu l'as dit, c'est Citizen. Ça permet aussi d'équilibrer parce que. Quand on est une jeune marque, on veut séduire un public. Bon, 800 euros, c'est intéressant, mais ça dépend pour qui. Et bien sûr. Pour voir séduire un public qui peut être jeune,
qui veut se lancer dans l'horlogerie et de se dire bah, j'ai un design qui est typique, c'est pas forcément parce que moi il me parle pas que je le trouve pas intéressant. Ouais, bien sûr. Et de dire bah, le fait d'avoir un calibre Miyota, ça permet de mettre la montre à 800 €. Et de bah voilà qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent se l'offrir, alors que si c'était un calibre suisse, ça vaudrait peut-être le double. Bien sûr, ça serait plus cher. Je pense que c'est une démarche qui est louable. Hein. Ouais. Revenons sur cette partie un petit peu déséquilibrée pour toi hein, de ces ouvertures. Ils ont un autre modèle, la AJ002. Qui est une D-Date où tu as de 11h à 13h un guichet avec le jour de la semaine. Ça équilibrerait plus un petit peu les choses ou ça change ça? Faudrait que Why je not, la vois. Voir. Je la vois. Bon. Alors, les amis, si vous avez un atelier Jalapert, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit cette AJ001 ou la AJ002, bah, bien sûr, rendez-vous sur la plateforme d'AliShoes, la première plateforme d'avis client sur les montres. Vous pouvez partager votre avis et pour faire, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur www.dalishus.watch. Combien, si tu devais la donner ton avis, entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible, ce serait quoi? Oh, je lui donnerais quand même un. Alors, pour l'ensemble des specs, hein, ouais. Je lui donnerais quand même un 7 sur 10. Ouais, donc on va dire que 7 sur 10, c'est j'aime. Ouais, c'est là, c'est une première, les amis. Hein. Là, on a, sur les façons de voter, là, on a un vote à la Dual Time, c'est-à-dire de 1 à 10. Si vous voulez partager vos premières impressions, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, bah, rendez-vous en commentaire pour dire ce que vous pensez de cet atelier Jalapert AJ001. Qui a comme caractéristique comme sacrément séduisante d'avoir un morceau d'une des autos de collection les plus prisées du marché, la fameuse Aston Martin DB5, voiture de James Bond, version Sean Connery. Les amis, on enchaîne avec la séquence suivante, la dernière. On va bientôt atterrir à Los Angeles, la prochaine montre. Alors, 49 ans, les amis, le chef de cabine va bientôt avoir la médaille du travail sur la compagnie aérienne d'AliShoes. Qu'est-ce que tu as dans le tuyau, là? Là, fais-moi saliver, parce que là, je serais extrêmement déçu. Je lui mets une pression de malade si tu avais réfléchi à rien pour tes 50 ans, quoi. Alors, au risque de te décevoir, je suis pas la montre, elle est à 50 ans, à 50 ans, oui. Non, moi, je pense qu'une montre, on se l'offre quand on se la fait offrir, quand on en a envie. J'avais vu un peu tac sur le genou, explosion de la rotule et tout ça, quoi. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres, une prochaine montre ou, enfin, oui, parce que tu sais, dans la collection, on a souvent... On regarde toujours la prochaine. Bien sûr. Je pense que cela dit, il faut un peu se réfréner parce qu'il faut profiter aussi de l'instant présent. Quand on a une montre, bah, on profite aussi. Et on ouais, non, mais d'accord, attends, tu as une Universal Genève, tu l'as achetée en 2016. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres depuis, voire même il y en a eu récemment. Il y en a eu quelques-unes. Ok. Pour les prochaines, alors il y en a une que je trouve assez sympa, c'est la Tudor Black Bay. Ouais. La Black Bay, alors je crois que c'est la 36 mm qui n'est pas plongeuse. Hein, enfin, ouais, voilà, ouais. Donc pas la 58 hein, qui est en, non, qui est en non, 39, non. La Black Bay en 36. Il y a un épisode de Petite Montre entre amis saison 1 sur cette montre. C'est une montre que je trouve très jolie. Ouais. Après, ce sera peut-être pas la prochaine parce que en fait, j'ai acheté il y a pas très longtemps. Alors, c'est pas du tout dans la même gamme. J'ai acheté une Charlie Paris. Ouais. Très sympa, marque française. Et ouais, une Concordia. Ouais, la Concordia classique, très très simple. Et j'ai trouvé quartz ou automatique. Alors la sweep seconde quartz. Ouais. C'est Ico effectivement. Oui, c'est Ico si je me souviens bien. Je trouve qu'elle est très proche en termes de design de la Black Bay. Black Bay, ouais. Donc, bah avec les index, effectivement. Les index, ouais. Voilà, ce côté un petit peu aussi Antarctique, enfin, le côté aventure, ouais. Trouvé sur l'Explorer aussi. Ouais.
Du coup, mes choix peuvent évoluer encore sur la Tudor. Mais entre-temps, j'ai eu la Ranger. C'est la Ranger, je crois, la nouvelle. Ouais. Je l'ai trouvé pas mal aussi. Tu veux un scoop? C'est vrai que j'aime bien la Tudor. Hein, tu veux un scoop? Là, c'est les allées. Là, c'est la chance du direct, les amis. Demain matin, j'enregistre un duel time avec une Tudor Ranger, avec une heureuse élue qui l'a récupérée. On verra ce qu'il en pense et ce que ça donne. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu fonctionnes, tu laisses un peu venir les montres à toi, finalement. Ouais, j'aime bien aussi regarder, m'imprégner un peu de ce qui se fait. Et puis, voilà. Mais là, les deux modèles dont tu parles, de chez Tudor, Ranger et Black Bay 36, sont des montres neuves au catalogue de la marque. T'as pas de vintage dans le tuyau? Un peu moins en ce moment, mais c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les montres vintage. Ah, tu reviendras nous voir? Avec plaisir. Oui, je sens qu'il va revenir, vous le savez, qu'il y a toujours un petit montre entre amis, le retour, on est tellement bien sur le canapé. On vient de passer un vol fantastique entre Copenhague et Los Angeles. Franchement, le commandement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le chef de cabine. Sébastien, merci beaucoup. Merci de ton accueil, Xavier. Et avec grand plaisir, si vous voulez participer, ne vous trompez pas, www.dalichouf.fr. Vous mettez vos coordonnées, la montre dont vous voulez parler, quand est-ce que vous êtes dispo, vous êtes d'où, on discute. Et puis, on trouve un moyen sur le canapé ou ailleurs pour en discuter. Si vous voulez partager votre avis sur votre montre, par exemple, pour aider Sébastien à faire son choix entre une Tudor Ranger ou une Tudor Black Bay 36. Si vous avez l'un de ces deux modèles, rendez-vous sur dailyshoes.watch pour partager votre avis. Daily Shoes, la première plateforme d'avis client sur les montres. À bientôt. À bientôt. Salut les amis, ciao ciao. Au revoir.